cette idée est née d'une relation que nous avons depuis plus d'un an maintenant avec Musa Nostra, puisque nous avons mis en place deux ou trois opérations. Et en discutant comme ça, et en parlant de Togg et du passé du quartier de Togg, hein, on est arrivé à parler de la Villa Bella Canzone, qui existe toujours et qui a abrité des Italiens au fin du 19e, et qui a une histoire liée au fait que c'était des intellectuels, des peintres, et qui ont laissé des traces de leur passage ici. Donc ça nous a beaucoup intéressé au niveau de la commune, et on a décidé avec Musa Nostra d'appeler ça visiteur célèbre à Huile, et ça peut paraître présomptueux ou pompeux, mais en tout cas ça nous fait plaisir, et puis je crois que ça va être intéressant. Disons qu'elle a connu des visiteurs célèbres, notamment monsieur Francesco Domenico Guerrazzi, dont madame Dinelli va parler, qui était un révolutionnaire en fait, pour dire les choses simplement, républicain révolutionnaire, qui a été exilé à Bastia. Donc ça c'est un, il a passé deux ans ici, donc 2 années. Tre anni. Et c'est lui qui a baptisé cette villa Bella Canzone, d'une part, et ensuite il y a eu des visiteurs, ce sont des anglo-corses en fait, non, anglo-italiens, qui ont vécu là et qui ont recueilli beaucoup de gens célèbres dans le domaine littéraire et scientifique.